J'ai besoin d'un fait, mon enfant. Deux. J'ai déjà fait les uns. Je peux faire ce travail. Avant les tours, je me fais un sac. Hein? 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 Bon, c'est des crocodiles, ils sont arrivés ici, c'est depuis le 15e siècle. Maintenant, ils disent à leur arrivée ici, on n'avait pas d'eau dans ce village. Et c'est les crocodiles qui ont initié ce village. Puisque à leur arrivée, les femmes se déplaçaient, surtout à des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Maintenant, il y a un jour, les femmes ont vu deux crocodiles qui se suivaient. Les femmes se sont dit, là où il y a des crocodiles, il y a de l'eau. Maintenant, quand les femmes ont... Quand les crocodiles ont montré les femmes là où ça s'est trouvé de l'eau, il y a eu la cohabitation des hommes du village avec les crocodiles. Et là maintenant c'est les ancêtres. La légende dit qu'il était descendant d'animal qui vivait dans la mer, qui est sorti pour attraper les crapauds. Maintenant ils sont l'animal protecteur du village. C'est-à-dire quand il s'agit d'un malheur qui veut passer dans ce village, ils font des cris pour alerter les plus anciens et s'ils vont se faire des sacrifices pour conjurer le malheur. Et s'il s'agit qu'il y a un qui meurt aussi, on les enterre comme si c'était un être humain et qu'on fait toutes les cérémonies possibles. Parce que le crocodile, c'est notre totem. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qu'on peut leur faire de vie. Si après ça se réalise, tu peux lui donner le merci. C'est pas parce qu'il te connaît qu'il t'a accepté? Non. Je disais que c'est un crocodile qui est décédé en 2005 à l'âge de 152 ans. Et puis on l'a juste enterré là, on a même fait des funérailles, on a fait des sacrifices rituels aussi comme d'habitude. Si vous partez samedi à Saint-Famille. Vraiment, c'est beau. C'est beau. Il est tout doux en fait. Il est doux. Là-bas c'est dur. Et vous pouvez voir. Je vais la faire là. Non, ça va. Je vais la faire. Voilà un Jerry. Derrière. Quel est un dieu quoi? Bille il est de Kayibi, il est de Hara. Ah, il est de Kayibi. Il est de Kayibi. Ah, chacun avec son territoire. Voilà, il est de Kayibi. Il est de Kayibi. Vous asseoir à une chaise. Coup de meuf, hein? Mais vous prenez les principales? Non. Ils sont tous les mêmes.